OPF Fabrication d'Orthez, première. Salut Axel. Allez, salut bien. Maxime. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer tes orthèses. Allez, c'est parti. L'orthoprothésiste, c'est celui qui conçoit les prothèses. D'accord. De A à Z. Mais on fait également du corset. Corset D'accord. de maintien, corset ouais. de positionnement, mais également les orthèses. Donc c'est le cas pour Axel. Donc moi, qu'est-ce que je viens faire là alors? Eh ben, tu viens pour qu'on réalise donc le moulage, la prise d'empreinte de tes jambes, et ensuite avec ça, on travaille le plastique, etc. On ponce et pour obtenir l'appareil adapté à chaque personne. Bon alors Maxime, on a pris les moules, maintenant quelle est l'étape suivante? Donc une fois qu'on a récupéré les moules, moi je coule un plâtre à l'intérieur ouais. afin d'obtenir ce qu'on appelle le positif. Donc une fois que le plâtre est sec, je retire le moule qui nous a servi à prendre l'empreinte d'Axel et ce qui me permet après d'avoir un support pour travailler la forme. Donc en fait, ici, c'est la forme de mes jambes, enfin c'est surtout la... brute après le moulage, oui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est la feuille de plastique, donc c'est un polypro, la famille est polypropylène. Donc c'est cette feuille qui va nous servir à faire les releveurs d'Axel. Donc là tu es en train de me dire que mes attelles, mes releveurs... À la base c'est ça. À la base c'est du plastique, c'est une feuille de plastique comme voilà. ça. Donc une fois qu'on a déterminé la dimension, ça part au four et une fois que la plaque est chaude, direction le thermoformage avec une pompe. Avec mes releveurs qui sont déjà en mode plâtre pour le moment. Pour obtenir la forme avec aspiration. Alors voilà, on a mis à chauffer le plastique pour venir le mettre sur la telle. Vas-y, prends-le là. Donc faut faire ça assez rapidement. Donc voilà, maintenant nous avons le releveur qui est presque prêt. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Donc là c'est une première ébauche, on va essayer le releveur, voir les découpes, voir le serrage, l'ajustement, s'il y a des zones. Donc on va ajuster tout ça sur ma jambe. Voilà. C'est ça. Voir s'il y a des zones qu'il faut améliorer pour que tu sois plus confortable. Bon Maxime, merci pour ces attelles. J'espère qu'en tout cas les gens auront appris comment fabriquer les releveurs. Les releveurs, oui. De où ça vient. Donc j'espère que cette vidéo vous sera intuitive et n'hésitez pas à la partager. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Paraplégique Life. Encore pas mal de choses à venir. Et on va se quitter sur la décoration que Maxime a pu me faire. La décoration qu'on peut faire sur les releveurs pour donner un autre visage sur l'appareillage. Voilà, à bientôt. Ciao. Ciao.